Arsène Chatti, c'est passé beaucoup de choses sur cette dernière action. Le ballon récupéré par Hernandez. On essaye de faire un peu les Globetrotters. Côté toulonnais, hein, on a tenté des passes un petit peu impossibles. Ce match perturbé par des arrêts de jeu. Vous voyez tout, je vous dis. Vous voyez tout. Non, je ne m'embranle pas, non. Vous en foutez, en plus. Vous êtes content. Certainement, certainement. Certainement, très content. Ouais, bravo. Eh, mêlez, s'il vous plaît. Lionel Lavalette, qui n'est pas content. Vous avez fini peut-être. Mais moi aussi, j'ai fini. Mais moi aussi, j'ai fini. Moi aussi. Ça me fait chier. Allez, mêlez, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi. C'est un vrai cri du cœur, là, Lionel Lavalette. La frustration, hein, Lionel Lavalette. Oui, Lionel, on a le sentiment sur cette seconde période que vous aviez peut-être une chance, une opportunité à saisir et que vous êtes peut-être emmêlé les pinceaux sur la stratégie, prendre les pénales touches quand il fallait prendre les pénalités. Quel est votre sentiment? Non, mais on a vu, on avait pas, un peu de mal au loin au niveau des pénalités, donc on a voulu aller chercher en touche. Sur les touches, on arrive à démarrer, après ils s'infiltrent, ce que je disais déjà en première mi-temps, ça a continué. Je suis pas forcément d'accord avec les décisions, c'est sur la dernière touche, on est tenu au maillot, il se dit rien, enfin bon, ça me fait un peu enrager. On perd pas le match là-dessus, mais bon, ça me déçoit de voir ça, quoi. Ouais, je suis content, les mecs, on s'y est filé, on s'est engagé, il y a rien à dire. Voilà, c'est après, c'est le haut niveau, on perd des ballons, on se prend des contres, contre ces équipes-là, ça pardonne pas.